Alors, je te donne trois clés pour apporter de la vie à ton jeu piano sans avoir besoin de complexifier tes accords, ton jeu. On va prendre un exemple. Voilà, donc c'est une petite suite harmonique. Donc, premièrement, pour apporter de la vie à ce jeu qui était assez plat, assez bateau, très très scolaire, très carré, un petit peu robot. Eh bien, déjà, tu peux commencer par l'utilisation de la pédale sustain. Tu sais, c'est la pédale forte qui permet de créer du liant dans tes harmonies. C'est la pédale qui permet de tenir le son. Alors déjà, de suite, la même chose avec la pédale pour chaque harmonie. De suite, ça va faire ressortir tes harmonies, ça sera beaucoup plus beau. Ensuite, tu vas jouer plus ou moins fort pour apporter de la nuance à ton jeu. Donc, par exemple. Et enfin, tu peux jouer avec la mesure en jouant rubato, c'est-à-dire élastique, sans pour autant, bien sûr, te perdre dans la mesure, dans le temps. Donc, par exemple. Donc là déjà, sans avoir besoin de toucher à l'harmonie, tu peux vraiment embellir ton jeu juste en apportant ces trois éléments qui vont apporter de la nuance à ton jeu, qui vont apporter de la vie à ce que tu fais au piano.